D'abord cru à une simple coulée de neige, mais c'est une énorme avalanche de 500 mètres de long qui descend dangereusement la piste jusqu'à ce télésiège. Le premier pylône est enseveli, les câbles emportés. Donc on avait l'impression que c'était plutôt inoffensif. Sur le télésiège, 41 vacanciers sains et saufs. Ils seront évacués en hélicoptère par les secouristes. Quant à la piste noire, elle était heureusement fermée à cause des risques de coulée. Une avalanche liée aux températures anormalement élevées pour la saison. Dans les stations depuis quelques jours, les coulées sont fréquentes, mais pour l'instant inoffensives.